Info.TV est à l'ouverture officielle de la 4e boutique M2 de la Grande Région de Montréal, au centre Rockland. Plusieurs personnalités et clients étaient sur place pour cette soirée chic et festive. Monsieur Mercier, comment se passe la soirée jusqu'à présent? Magnifique. C'est au-delà de mes espérances. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'amour dans l'air. Les gens sont contents. Cette boutique-là, ici, elle a été créée expérience client. Tout est basé autour d'un client. Si le client, il veut prendre une coupe de vin, il peut prendre une coupe de vin. S'il veut écouter son sport, il va être capable de l'écouter. On a des walk-in en arrière, c'est des garde-robes. On peut préparer les vêtements, on peut travailler ça d'une manière parfaite. Le client, on vient qu'on connaît le goût, on prépare le garde-robe, il arrive, il essaie, il s'en va. Ce métier-là, on le fait par passion. On le partage avec nos clients. On a choisi la ville de Montréal, on a choisi ici Centre Rockland pour la grande raison. On est près de Westmount. On est près de Laval, facile d'accès, stationnement facile. Donc, Émilie, votre nouvelle section est franchement superbe. Parle-moi un petit peu de la nouvelle section pour femmes que vous avez ici chez M2. Dans le fond, nous, ça fait peut-être 3-4 saisons qu'on a testé la femme. On avait beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, on l'a testé dans nos boutiques. Puis là, on a vu que c'était un franc succès. Fait qu'on a décidé de créer vraiment une image pour la femme. Fait que c'est notre premier concept femme, puis on veut le développer vraiment à travers toutes nos boutiques éventuellement. C'est le fun parce que justement, quand l'homme magasine, bien, la femme, elle peut venir. Puis aussi, on a fait une entrée vraiment à part. Donc, ça devient vraiment aussi une destination femme à la fois, là. Donc, chez M2, on retrouve toujours une grande variété de grandes marques. Quelles sont les marques qu'on peut retrouver ici? Je vous dirais que la plus importante et la plus grosse qu'on a en boutique, c'est Hugo Boss. On a environ 2000 pieds carrés juste dans la boutique Rockland. C'est vraiment comme une vraie boutique Hugo Boss. On a le feeling, quand on rentre, qu'on rentre dans une boutique Hugo Boss, mais ça appartient à M2. Je vous dirais que c'est comme des micro-boutiques avec la philosophie de chaque brand qu'on ressent quand on rentre dans chaque marque. On a Tiger of Sweden, Lacoste, Eaton. De A à Z, un homme peut rentrer puis s'habiller de la tête aux pieds. Donc, j'ai remarqué que les salles d'essayage étaient super belles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, c'est la grandeur. Donc, on a comme beaucoup axé sur le côté spacieux. Donc, il y a des chaises pour les conjoints, conjointes qui peuvent s'asseoir pour assister, en fait, au niveau du test d'essayage. Donc, José, je crois que tu es un client de longue date de chez M2. Oui, exactement. Depuis le début du 10-30, pas la boutique au Square. Là, ça a l'air compliqué pour ceux qui ne connaissent pas bien l'M2, mais ils ont commencé par s'installer dans le nouveau 10-30. Moi, je suis allé là parce qu'il y avait du parking, puis j'étais tanné d'avoir des contraventions juste pour me trouver des beaux vêtements. Et un peu ce que je racontais tantôt pendant la présentation, c'est que je suis tombé vraiment très amoureux de la famille, leur façon de faire les choses. J'ai discuté avec d'autres personnalités qui sont ici ce soir, puis c'est la même chose. T'as besoin d'un service, t'as besoin d'un ci, ils sont là, ils t'aident. Je sais pas, j'aime cette fraternité-là, ce sentiment que c'est une expérience venir magasiner chez M2. C'est pas juste on achète des vêtements, je veux dire, on vient souvent et c'est le fun. J'ai un attachement particulier à cette gang-là, puis aussi le choix des vêtements exceptionnels. Les grandes marques sur le même toit, wow!